Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon let's play sur le mode Feed the Beast pour l'agriculture. Je suis bête, pour l'apiculture. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Donc, depuis ce superbe épisode complètement fail où j'ai fait pratiquement n'importe quoi sur pratiquement une heure. D'ailleurs, tiens, en y pensant, j'ai énormément de mal à l'uploader. Ça fait 2 fois que ça bug. Donc, bon, d'ici à ce que vous voyez cet épisode, le dernier aurait. Enfin, normalement, sera sorti. Donc, bon. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Ben, j'ai essayé de tourner l'ordi, j'ai, on va dire, fait mon bûcheron, j'ai rasé les arbres des alentours pour pouvoir terminer les panelings, pour enfin pouvoir se crafter notre superbe Alvéary. Donc, ce qu'on va faire, nous, hop, alors, c'est qu'on va passer la nuit et on va se lancer dans le craft de cette Alvéary, enfin. Avec tout ce qui est framehousing, etc. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais aussi vous parler? Donc je pars en vacances ben, la semaine du. Normalement samedi 28, si je dis pas de bêtises, ou samedi 29, je sais plus trop. Et pendant une semaine, voire pratiquement deux. Bon, vous ne devriez pas vous en rendre compte parce que comme je vous ai tourné plein de vidéos entre mes sessions de révision et que j'essaie de tous vous les uploader, vous ne devriez pas voir de différence. Voilà, donc enfin, de toute manière, quand cette vidéo sera sortie, à mon avis, vous aurez déjà... Enfin, je serai pratiquement déjà rentré. Et pourquoi tu es vide? Ok, il se vide, je pensais pas qu'il se vidait. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va se crafter, donc tac, je récupère ça, je récupère les panelings, hop. On va se crafter notre Alvéary. Enfin, les différentes frames. Enfin, frames, je sais pas si on peut dire ça. Les différents blocs, on va dire. Alors, bim. On va essayer de répartir ça correctement. Je suis assez content comme cette femme. Enfin, c'est quand même un des gros objectifs du let's play, c'est quand même de se crafter cette Alvéary qui va nous permettre, qui va nous faciliter grandement la vie. Alors, à mon avis, j'en ai un peu beaucoup. Quoique, ça va être tout. Non, ça va être tout pile en fait. Tac. Nous en manque un. Oh, tout pile. Ouf. Sinon, on aurait dû aller rechercher du pollen, attendre, etc. Alors, tout pile, nos 27 Alvéary. Ah, je suis content, donc pour le coup, on va pouvoir. Faudrait que j'emmène cette table de craft là-bas parce qu'on va travailler avec ça aussi. On va pouvoir se faire ceci. Alors, attendez que je regarde. Frame housing. Donc, elle se craft avec des golden electron tubes. Donc, c'est ça qu'on va crafter dès à présent. Aussi, au passage, je sais pas quand est-ce que je vous mette. Non, normalement, je vous mettrai en intro de l'épisode. Je vous mettrai la séance de minage que j'ai faite rapidement. Ouh, j'ai rapporté, j'ai miné vi très vite fait. C'était essentiellement pour récupérer du diamant pour se faire une assembly table. Ça fait longtemps que vous me la demandez, ça fait longtemps que j'ai envie de me pencher là-dessus. J'ai regardé un peu comment ça fonctionne, c'est assez simple. Donc on va faire ça après, on l'installera quelque part. Et au passage, j'ai démoli ce truc. J'ai pas eu vos retours encore par rapport à l'épisode fail. Mais bon, on va dire que même si c'était marrant de faire cette petite structure-là. D'une, ça aurait pu faire brûler toute la maison avec cette lave que j'ai mis, et de deux, ça faisait du bruit, c'était chiant, donc bon. On va rester là-dessus, c'est très bien ça. Voilà. Alors, nous, on va se faire nos petits électrons tubes, bim. Tac. Et il ne veut pas. Non, ça doit pas y avoir de verre dedans. On va activer l'engine, et c'est parti. Donc dès que ça sera au maximum là. Je vais aller voir, j'avais dégagé un peu la zone là-bas. Ouais, on devrait avoir la place pour la mettre. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà se craft l'Alvéary, on va faire les frame housing, on va l'installer. Que je rappelle à ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode comment ça fonctionne. Je vais pas rappeler en détail, mais simplement comment on la met en place. Ensuite, on se travaillera sur l'assembly table pour obtenir un iron and autarchic iron and gates. Et enfin, si on a le temps, mais je pense pas, je vais modifier ça, enfin modifier, compléter ça, c'est-à-dire qu'une fois que ici on aura les imprinted frame, on va les faire partir sous terre par là. Elles ressortiront ici. Au niveau de l'Alvéary, et on va faire un espèce de système en dessous pour qu'entre-temps elles utilisent des chocolates. Non, c'est pas des chocolates, c'est des.
des cocoa beans pour se transformer en chocolate frame et donc pouvoir alimenter notre alvéoli qu'on mettra ici. Puis je pense que dans l'épisode 20, on se fera. Enfin, je vais pas spoiler, mais je veux dire. La base en a un grand besoin. Tous les 10 épisodes, en fait, la base a grand besoin d'un petit coup de rafraîchissement. Donc, des épisodes 10, ça sera. Épisode 20, pardon, ça sera comme l'épisode 10. Un gros épisode déco avec finition de beaucoup de systèmes qui sont en attente. Enfin, de petits systèmes qui sont en attente. Et comme ça, on aura quelque chose d'un peu plus opérationnel. Donc, on en est à où ici? S'il vous plaît. Pas ici, ici. Bah, on est là. Alors, attendez que je calcule combien il nous en faut. Donc, on peut en faire 6 maximum. Ça en prend 3. Donc, 6 fois 3, 18. 18, ok. Donc, 4, 8, 12, 16, 20. Et voilà. Je récupère mon or, je récupère ma redstone. Et je peux arrêter le moteur qui est ici. Bim, c'est parti. On va vite faire les ranger parce que j'ai de nouveau du bordel partout. Redstone là-dedans. Alors ça, on s'en servira peut-être pas à cet épisode-là, mais je les ai craftés parce que c'est chiant à crafter, donc autant que je les ai fait hors caméra. Le sable ici, ça, j'ai pas besoin. Le fer, j'en ai. L'or, je voulais poser. Voilà, c'est bon. J'ai posé ce que je voulais poser. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On regarde le craft ensemble. Tac, tac, tac. 5, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 4, 5, 6. Voilà, parfait. Donc simplement les alvéoli directement au centre, entourés de Golden Electron Tube. Et au-dessus de l'iron. Et voilà, frame housing. On peut enfin aller se monter notre petite. Je crois que j'ai oublié de. Ah non, j'ai peur. Je croyais que j'avais oublié de. En plus, on va dire que. J'ai que des arbres, enfin des spruce wood dans le coin. On aurait dû aller super loin pour en chercher. Ah, quoique, peut-être que non, cela s'en est. Mais bon, j'avais pas envie de les abîmer. Alors, on va se faire des planches pour recouvrir notre alvéoli. Et c'est parti! On va enfin pouvoir aller la poser. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? Ici, je pense que c'est bien 1, 2, 3. Ouais. Elle est pas du tout centrée là. 4. Ouais, mais faut pas aussi qu'elle soit cachée par les arbres. Voilà, comme ça elle est bien. Oups. Ça c'est bon. Tac. Ah, j'arrête pas de cliquer dessus. Mon sang. Tac, tac, tac. Et on termine le dernier étage. Swing, 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 swing et swing. Oups. On complète le top avec des planches. Et mesdames et messieurs, bim, une alvéolie. Enfin. Enfin. Let's play consacré à l'apiculture au bout du 18e épisode d'une alvéolie. Cool. Non, mais je veux dire. En même temps, c'est vrai que beaucoup, comme je la disais au début du let's play, c'est vrai qu'on a beaucoup de. Il y a quand même des personnes qui s'intéressent à l'apiculture. On peut prendre d'exemple. Je sais que j'ai discuté récemment avec Evilxor59 qui fait lui un peu sur l'apiculture. Mais c'est vrai qu'il a pas. Il a pas débuté directement avec ça. Et la plupart en fait des youtubeurs font ça. C'est qu'ils débutent d'abord avec. Avec les avec les le Feed the Beast classique, c'est-à-dire les machines, le solaire ou alors toutes ces choses-là, les gros engins industrial craft, et ils font en annexe plus tard l'apiculture pour compléter, pour passer le temps parce que c'est sympa. Mais personne, enfin il y a très peu de gens qui se concentrent exclusivement là-dessus et donc qui produisent toutes leurs ressources avec ça. Donc voilà, je trouve que c'est ça d'une part qui nous ralentit, mais c'est ça qui nous rend original et c'est vrai que moi, avec les cours, etc., je peux pas me concentrer à fond là-dessus. Mais c'est. Enfin, je peux pas me concentrer à fond sur le let's play tout le temps. Mais pour quelqu'un qui a envie de se faire sa partie solo et s'orienter uniquement sur les abeilles, c'est quelque chose de génial.
et de très très profond en fait. Même si à premier abord c'est très compliqué, c'est aussi très profond et ça ouvre plein de possibilités. Donc je vais arrêter de parler et de dire de la merde. On est parti, on va commencer à automatiser au moins cette alvéoli. Donc après l'automatisation, tiens, bah en même temps ça nous permet d'utiliser un engine. Apiaris Pipes, et je crois que c'est quasiment tout. Alors, pas cela, cela. Et un chest, et ça sera bon. Un petit chest. Tac, et c'est parti. Donc alors, comment est-ce qu'on va s'arranger ici? On va mettre ça là. On va pomper de l'alvéari. Alors là, comment est-ce qu'on va faire? Laisse-moi réfléchir. Non, on va pas te mettre là, toi. On va faire quand même quelque chose d'assez caché, histoire de pas avoir, donc d'avoir quelque chose de moche. C'est pour ça que nous, ce qu'on va faire, c'est ça. Est-ce que j'ai un levier sur moi? Vous avez peut-être la musique qui est un peu forte. Je suis désolé, j'ai un... quoique elle est sur 3. Bon, d'habitude, on l'a sur 2. On va dire que c'est aussi rare qu'on ait de la musique, donc bon. Alors, est-ce que j'ai des sticks? J'ai pas de sticks. Est-ce que je peux refaire des planches? Ah ouais, génial. On va acheter ça, on n'en a pas besoin. Tac. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Donc, levier. Donc toi, tu vas pomper dans l'alvéoli. Avec un petit moteur ici. Tac. On va faire ça comme ça. Quoique, non, je vais directement trier ici en fait. Avec le Apiaris Pipes. Et comme ça, on aura juste un petit truc qui remontera là. Et sinon, j'ai rien dit. Dégage. Ouais, en soi, on aurait pu le faire un peu plus profond. Oh, il n'y a pas de... Oh, il n'y a pas de mal, c'est bon. C'est très bien ici. Voilà. Donc, ici, ça reste classique, hein. Dans le blanc, on fait passer any bees. Donc, est-ce qu'il y a toutes les abeilles que je veux... Enfin, je veux que toutes les abeilles remontent dans l'alvéoli. Et sur le rouge, Any items ou anything aussi. Non, mais any items, c'est bien. Hop. Et voilà, l'alvéary est opérationnel. Et il n'y a plus qu'à... Enfin, elle est opérationnelle au niveau de sa structure même, mais on n'a pas encore automatisé les frames. Donc ça fonctionnera avec le routeur. J'ai expliqué ça dans la vidéo 17 du Let's Play, dans la partie des explications sur les alvéary. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Elle est très intéressante et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup en français, même très peu, donc bon. Donc c'est déjà ça. Alors ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va laisser ça de côté. Tiens, bah non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une abeille en fonctionnement à l'intérieur pour voir la différence de production. Ouais, j'aimerais bien faire ça. On va rapidement faire ça. Qu'est-ce que j'ai comme... Faudrait que j'ai deux abeilles du même type. Je crois qu'il me restait des... Non, il m'en restait pas des... Attendez voir, je vais regarder. S'il me reste des cultivated fast en fast. Non, celle-là, les slow workers. Ah tiens, je vais vous montrer aussi quelque chose que j'ai fait. Non, j'ai pas de... C'est bizarre, tiens, je pensais en avoir deux qui traînaient. Alors je sais que j'en ai une qui travaille là. Qui produit pas énormément d'ailleurs. Non, bah tant pis. Bon bah on va piquer celle-là. On va la faire travailler là-bas. Voir un peu si ça produit rapidement. Sachant que celle-là, elle doit me produire à peu près toutes les 2 minutes, quelque chose. Donc on va voir si ça va mieux. Hop. Est-ce que t'as des fleurs? Oui, t'as des fleurs. Tu travailles, c'est nickel. Donc avant de partir sur l'assembly table, petite chose que je voulais vous montrer.
J'ai utilisé notre Ancient Princess pour donc qui est en Elongated Life. Donc c'est celle qui ont la durée de vie, une des durées de vie les plus longues, je crois. Je l'ai passé grâce à mon Energy Cell, je l'ai passé là-dedans. Et du premier coup, dans l'isolator, du premier coup, j'ai reçu Elongated Lifespan Serum. Donc c'est-à-dire que on pourra appliquer une longévité très, enfin une très grosse longévité à nos abeilles quand on s'intéressera au. Parce que c'est-à-dire en fait que utiliser les chocolate frames, c'est assez particulier parce que d'une part, ça augmente la productivité des abeilles très significativement, mais d'une autre part, ça leur baisse leur durée de vie. Et le souci, c'est que c'est un juste milieu en fait. Si on met une chocolate frame ou des chocolate frames sur des abeilles simples, c'est-à-dire des abeilles qui ont une durée de vie faible ou normale, en fait, elles vont mourir tellement rapidement que même si elles ont une grosse productivité, soit elles produiront pas du tout, soit elles produiront tellement peu que ça restera exactement la même chose. Alors, il faut appliquer les chocolate frames uniquement sur des abeilles qui ont une très grande durée de vie. Donc, avec ça, on pourra appliquer sur nos abeilles productrices, on pourra appliquer ça. Et donc, à terme, avec les alvéoles, je pense qu'on va commencer par s'intéresser alors à des abeilles qui produisent des minerais, je sais pas encore lesquels, soit un minerai courant qu'on aura beaucoup besoin, comme le fer, etc., ou soit directement le diamant. Ça, je verrai encore. Ça sera après l'épisode 20, ça. Et donc voilà. Donc pour le coup, nous, qu'est-ce qu'on allait faire? Assembly table. Alors, on va voir comment ça se craft. J'avais déjà regardé en créa un peu, mais sans plus. Donc diamond gear, ça j'avais vu. Ouais. Donc déjà de l'obsidienne. On va remplir notre machine là-bas d'eau et on va se faire quelques blocs d'obsidienne. Alors, swing. Il n'y avait pas d'autre dedans, non, il nous faut de l'eau. Tac, tac. Ah, j'ai ça sur moi. Je vais voir si je peux utiliser ça d'ailleurs. Ça évitera de crafter un seau. Et au passage, je prends un seau aussi au cas où. Alors, voyons voir. Ça marche. Alors, ça c'est bon. La lave, il y en a encore un peu dedans. C'est parti, obsidienne. Tac. En attendant, nous on va mettre un peu de lave. Voilà. Un bloc. Il nous en faut combien? 6, je crois. Mais il faut aussi crafter les lasers après. Donc là, c'est 6. Et pour le laser. Laser. T'as aussi 2 diamants pour le laser. Pff, ils s'emmerdent pas. Donc on va être simplement utiliser un laser parce qu'on va on va pas utiliser ça souvent, enfin on va pas utiliser ça à très très grande échelle. Donc simplement pour se crafter une dizaine de d'Iron and Gates, bon, on va dire que comme je laisse souvent tourner les trucs hors des épisodes, on va pas et qu'on n'est pas, enfin je veux dire qu'on n'a pas des ressources en grande grande abondance, bah ça suffira. Alors, obsidienne, donc 2, ça fait 2 plus 6, 8, ok, c'est bon. Déjà? Ça bouffe beaucoup d'eau, apparemment, ouais. Pourquoi tu m'en craftes plus, là? Plus assez de lave, je pense. Tac, allez, craft, vas-y, craft, craft. Ah, c'est bon. Comme il n'aura pas assez, il n'aura pas assez d'eau, on va aller en rechercher un petit coup. Alors au passage, je sais pas comment ça aura évolué d'ici à ce que cette vidéo sortira. Dans tous les cas, j'espère que vous apprécierez le petit concours que je vous ai préparé pour cet été. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête et j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose cet été pour marquer un tournant au niveau de ma chaîne. Un tournant dans le sens où j'ai envie qu'elle continue de prospérer, mais de manière un peu plus. C'est-à-dire moins ciblé sur quelque chose. Là, c'est vrai que c'est très ciblé sur du Feed the Beast. Mais ça restera ciblé sur du Minecraft en général. Mais je veux dire. C'est vrai que là, par exemple, pour les personnes qui n'apprécient pas forcément l'apiculture dans Feed the Beast, ou pas forcément Feed the Beast, ils ont rien d'autre à.
Enfin, rien d'autre ne leur est proposé, donc du coup, ben, ils s'abonnent pas ou ils suivent pas ma chaîne. Donc, on va essayer de rendre ça un peu plus généraliste. Et là, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je sais pas pourquoi je continue. Donc voilà, ça c'est un peu l'objectif pour cet été. Je peux, voilà, ça évitera qu'il reste là. C'est un peu l'objectif pour cet été, même pour la suite après, de me généraliser et pas de rester assez, enfin super centré sur un point très précis. Alors une fois que ça c'est fait, on va chercher du diamant. Donc tout ça pour dire que j'espère que le concours vous plaît, j'espère que d'ici à ce que la vidéo sortira, vous aurez été beaucoup à me suivre sur Facebook. Pensez à faire ça, ça me permet de d'avoir une plus grosse visibilité. Et donc de toucher plus de monde, et plus on est fou, plus on rit bien sûr sur la chaîne. Alors, Assembly Table, tac. Faut d'abord se faire la gear, j'avais oublié. Oups. Alors, Gold Gear, ouais, Iron Gear, Stone Gear. Ok, bon, on va partir d'une simple Stone Gear. Juste une. Et donc, tout ça pour dire que j'envisage aussi de. Comme le. C'est d'abord du Stone. Comme le Let's Play sur Lizer ne va plus durer très longtemps, je pense que je vous en sortirai encore peut-être 2-3, mais c'est vrai qu'on aura rapidement fait le tour comme il est en alpha. Je dis pas qu'on arrêtera le Let's Play, je dis qu'on continuera plus tard une fois que la bêta sera sortie ou qu'il y aura eu de plus gros ajouts. Parce que ça sert à rien que je vous propose des vidéos de. Enfin, il y a beaucoup plus de monde que moi qui font des vidéos d'architecture et ces choses-là, donc bon. Moi, je voulais vous proposer une aventure suivie. C'est vrai que pour l'instant, le mode, au moment de sa sortie, j'étais assez enthousiaste. Mais en fait, en regardant de plus près, il ne propose pas encore cette possibilité-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Donc, je pensais vous proposer pas vraiment une sorte de let's play, mais plutôt une sorte d'aventure. Ouais, une série d'aventures, enfin une série sur un mode aventure qui est le mode que je dise pas de bêtises. Est-ce que je l'ai encore ouvert sur je crois que c'est Race quelque chose. J'ai perdu j'ai perdu les attendez, je cherche rapidement parce que je voulais vous en parler. Race Minecraft. Ah, je sais plus du tout. Bon, tant pis. De toute façon, ça, je vous en parlerai le moment venu. C'est une série sur du RPG. Un pack de mode RPG. Bah, tiens. Ah, mais je l'ai. En plus, je l'ai là, quoi. Void Launcher, voilà. Void Race, c'est ça. Donc, c'est une série sur. Qui. Il y a déjà quelques youtubeurs qui en parlent ou qui en font. Mais bon, c'est pas tellement répandu encore et je pense, moi je pensais vous proposer quelque chose où j'aurais installé un bon pack de textures, un bon shader et vous faire une super série là-dessus, belle graphiquement et assez sympa à suivre pour s'éloigner un peu de tous ces tutos et tout que je peux vous faire. Alors hop, ça c'est crafté. On range ça correctement. Alors il me faut que je mette ça près d'une source d'énergie. On va aller faire ça en bas, parce qu'en bas j'ai tout. Quoique je pourrais prendre. Non, parce que je peux brancher ça à mon. À mon Energy Cell. Alors il faut que je trouve un coin. Ouais, même, mais en bas c'est très bien. Ça évitera de. On devrait avoir la. J'allais dire qu'on devrait avoir la place, ce serait qu'avec le bordel qui traîne là en bas. Il y a trop de bordel ici, ça sert à rien du tout. Vivement l'épisode 20 que je me mette à ranger tout ça parce que c'est terrible. C'est vraiment terrible pour l'instant. On va faire un mur ici. Voilà, on va mettre ici l'assembly table. Alors, je sais plus si. Non, je crois que là on est à la bonne distance. On va torcher un peu le coin histoire de pas. Avoir besoin d'aller se coucher tout le temps. Tac. Ça, je te récupère. Alors, faut que j'alimente les deux. Faut que j'alimente les deux. Comment je vais faire ça?
qu'il saute si je le casse? Non, c'est bon. Tac. Ah non, je croyais que je les avais posés quelque part en fait. Non, ils sont là, c'est bon. Donc ça ici et ça. Pourquoi je vais aussi loin? Ça sert strictement à rien. Ah, je sais pas si ça boucle sur lui-même. Non, ça devrait rien. Ça devrait pas y avoir de soucis avec ça. Ensuite, j'ai pas besoin de l'envoyer en cours d'énergie. Ça sert à rien. Et on va commencer. Tac. Alors, faut que je regarde ce qu'il nous faut pour les Iron and Gates. Alors, Iron and Gates. Donc, c'est cela. Autarchic Iron and Gates. Alors, voyons voir. Donc ça, il faut que j'aille chercher des Underpearls, au moins une. Redstone chipset, ça il nous en faut un. Et il nous faut un Iron and Gates. Iron and Gates qu'on craft avec un Redstone chipset et Red Paperwire. Donc on va commencer par Redstone chipset. Avec donc de l'Iron. Il nous en faut au moins deux. Je crois, hein. Je suis pas sûr, mais deux au moins. Donc on sélectionne ça et on va envoyer la sauce. C'est parti. Voilà, ça devrait suffire. Est-ce que ça marche? Ça marche. Donc rapidement, pour l'assembly table, je sais que je suis pas un expert, je travaille très peu avec ce genre d'outils d'habitude. Mais, donc il faut savoir qu'on craft l'assembly table et qu'une assembly table peut donc a besoin au minimum d'un laser pour fonctionner. Et plus vous ajoutez de laser, plus ça va fonctionner rapidement. En sachant qu'on peut mettre pour une seule assembly table, enfin elle ne capte... La vitesse de production sera augmentée jusqu'à un maximum de 5 lasers seulement. Enfin seulement. Et après, si vous voulez mettre plus de lasers, il faudra mettre plus d'assembly table. Ensuite, la couleur du laser, comme par exemple la couleur du laser de la... Comment ça s'appelle d'ailleurs? J'oublie tout le temps le nom de ce truc de... système de minage, là, propre à Feed the Beast. Enfin, propre à Buildcraft surtout. Propre au query, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le laser change de couleur en fonction de la vitesse où il produit. Je crois que en bleu c'est, je crois qu'il y a rouge, vert, bleu, et bleu c'est au milieu ou c'est le maximum, je sais plus du tout ça. Et donc là, une fois que vous avez mis les ingrédients ici qui vont être utilisés, il va vous proposer les différents crafts que vous pouvez faire. Et donc ça va pas crafter automatiquement. Parce que vous voyez que là, je peux soit utiliser seulement une poudre de redstone pour faire un redstone chipset comme ça, ou alors utiliser une fois ça pour faire ça. Donc en fait, c'est un peu comme un écran de sélection. Vous sélectionnez l'objet, et une fois que c'est sélectionné, seulement à ce moment-là, il va commencer à le crafter. Voilà, voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse. Je vais aller chercher des underpearls. Je vais avancer un peu dans le craft avec l'assembly table, parce que bon, ça, si vous savez comment ça marche, vous n'avez pas besoin de regarder tout le processus. Voilà, donc moi je vous dis à tout de suite. À tout de suite du coup. Je suis bête. J'allais vous dire au revoir. Allez, à tout de suite. Et re, je vous reprends donc. Bah tiens, ça vient juste de se terminer. J'ai terminé de crafter la Autarchic and Iron and. Enfin, Iron and Gate. Bon, faut que j'arrête avec cet accent. Bon, alors. Donc du coup, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Alors ce que j'ai fait, c'est donc que j'ai crafté un pulsating chipset exactement comme j'avais crafté donc les redstone iron chipset, donc je vous avais montré ça. Donc ça c'est avec ce craft là, donc redstone plus enderpearl. Tiens, en parlant de ça, est-ce que je me suis remis en peaceful? Ouais, c'est bon, je croyais que j'étais resté en normal. Alors ensuite j'ai crafté ça avec red pipe wire et redstone iron chipset encore une fois. Donc ça se craft avec rose red, donc ça c'est un, comment dire, c'est un pigment qu'on, enfin c'est le pigment qu'on chope en utilisant les roses classiques, il y en a partout là-bas. Et il faut que j'arrête ça, voilà. Et enfin, j'ai tout mis dans l'assembly table, ensemble, donc c'est-à-dire ça, ça et ça. Et j'ai obtenu mon Autarchic Iron and Gates. Donc c'est parti, maintenant on va pouvoir aller terminer l'épisode et terminer donc l'installation de l'Alveary. Hop.
Alors, voyons voir. On va pouvoir coller ça ici. Réinsérer le machine filter. Tac. Donc, l'insérer, c'est shift, clic droit. On peut pas le récupérer, il faut casser donc le routeur sinon. Ensuite. Tiens, tiens, on va pouvoir regarder le craft des barrels. Tiens, en parlant du craft des barrels, est-ce qu'il me reste du bois? Il me reste qu'un. Ouais, il me reste qu'un. Ah mince. Bon, bah, on va aller chercher du spruce wood. Pour pouvoir se faire un baril où on mettra les trucs dedans. Alors, il n'y a plus grand chose en arbre dans le coin. On va casser celui-là. Et celui-là. Voilà. On passe rapidement la nuit, on se craft le barrel et on termine l'installation. Donc ça va être exactement la même chose que ce que j'avais montré dans la dernière vidéo en créa. C'est-à-dire un petit baril où on injectera directement les frames dedans. Cool. Donc ça va se couper. Alors, je les ai ramassés, ils sont là. Donc que je me rappelle comment on craft les barils. Barrel. Ok, ouais. Avec ça. Oups. Et voilà, barrel. C'est bon. Oh, je peux laisser ça là. J'ai déjà assez de bois pour en refaire de toute manière. Alors, où est-ce que je vais placer le barrel? Ici. Je me rappelle comment j'avais fait ça parce que je sais qu'il y avait certains patterns qui marchaient pas. Donc je sais qu'il faut que ça soit injecté directement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il faut pas qu'il y ait de pipes vides. Donc je mets l'Iron Gates là-dedans. Donc ça c'est bon. Et je crois que c'est à peu près tout. On va tester, voir si ça marche. On va mettre de la cobble dedans. Voilà, hop. On va lui dire qu'il va devoir injecter de la cobble. Alors, on va régler ça. Donc, ici, c'était espace dans l'inventaire. Espace dans l'inventaire. Pipes vide. Et on va attendre. On va d'abord régler ça. On va mettre ça. Et on va le faire fonctionner avec taille extra build alvéole. Pour qu'il puisse injecter là-dedans. Là, on règle sur Energy Pulseur. Energy Pulseur. Non, c'est pas Energy Pulseur, là, il y en a un. Si, c'est les deux Energy Pulseur. Oui, c'est ça. Donc, normalement, il va les injecter. 55, 54. Et là, il peut plus les. Si, il peut encore. Je sais pas, il me les met là d'ailleurs. Donc, il les met là-dedans. Non. Ah, où ils vont alors là? Tile alvéole. Ouais. Il les aspire à chaque fois. Il les crache pas pourtant. Ah tiens, c'est bizarre ça. Rends-moi ça. Je sais pas où il les envoie. Pourtant, il est bien connecté à Tile alvéole. Insérer, extract, insérer. On va peut-être, il faut peut-être qu'il utilise que des frames. Peut-être que ça marche pas avec n'importe quel objet. On va prendre des chocolate frames qui nous restent ici pour voir si ça fonctionne. Ah mince. Ouais, donc bah, déjà on va remplir ces deux-là. Je peux rien mettre. C'est parce que je peux mettre. Je pensais que je pouvais mettre n'importe quoi. En fait, je peux mettre que les frames. Parce que j'ai des frames qui traînent. Juste pour voir s'il peut en insérer plusieurs à la suite. J'ai pas des frames non endommagés qui traînent, je crois. Voyons voir. Au passage, je sais même pas si j'ai relancé l'enregistrement. Si, c'est bon, j'ai eu peur.
Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai des frames? Si j'ai ça, Imprinted Frame ici. Et c'est tout. J'aimerais bien savoir si ça marche. Au moins avec deux. Bon, il est tout de suite aspiré. On va voir s'il l'injecte. Ouais, c'est bon, ça marche. Ça marche nickel. Ok, donc pour ça, c'est bon. Donc écoutez, au prochain épisode, on reliera ça avec ça, du coup, pour injecter les chocolate frames. On fera du. On retravaillera sur les machines extra bis pour transformer. Et enfin, pour transformer les abeilles qu'on aura produites ici, pour leur mettre Elongated Life. Ou en tout cas, on travaillera avec les abeilles pour faire un bon croisement. Ici, on va voir ce que ça a fait d'ailleurs. Vous voyez la différence de production? On va dire que là, allez, ça a tourné le temps de l'épisode. On a fait ça au début. Ça a dû tourner 20 minutes. Et en 20 minutes, j'ai obtenu 43 honeycombs. C'est énorme. Et encore, ça continue à produire et à produire. C'est génial. Ça, faudra qu'on extrapole ça aussi dans le Nether une fois qu'on aura de tout ce qu'il nous faut. Là, l'objectif, ce serait déjà d'en avoir quelques-unes. Donc, on va voir comment ça se passe. Bref, alors en tout cas, moi, je vous dis ciao tout le monde. Moi, je descends dans le sud, passer de bonnes vacances. Vous vous en rendrez pas compte, je pense. Donc, prochaine série qui arrive au moment où vous aurez ça, la série sera déjà sortie. Donc, c'est la série sur le PVP. J'espère qu'elle vous plaira. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai rien. Ciao.